Ce matin, ça vous dirait de travailler avec Flavien Chatat? Ah oui, bien sûr. Je suis encore novice dans le domaine et bien sûr que je me sentirais très chanceuse de travailler avec des grands frères et des parents, des papas dans le monde du cinéma. C'est toujours un plus. Alors, on propose aux téléspectateurs de regarder le making-of de sa toute première production titrée Divine. C'est une série de 52 épisodes réalisée par Flavien Chatat elle-même à la direction photo Jiska Cédric et comme acteur principal, on a JC Mamiton. Regardez. On sait. Action! Revenez, infirmière et l'autre, la réaction, quand il se comporte comme ça vous choque. Tu n'as pas vu mamie pousser ça, je ne sais pas trop pousser encore. Stay there. Vous restez là. Choqué, ça ne t'étonne pas, tu es habitué. C'est l'infirmière qui est un peu choquée. Moi, c'est Flavienne Chatat. Originaire de l'Ouest Cameroun, précisément à Baganté. Je suis actrice, productrice et réalisatrice. Je travaille actuellement sur ma première série de 52 épisodes intitulée Divine. Divine comporte pas mal de messages. Je ne saurais citer tous ces messages parce que vraiment, il faut regarder toute la série pour pouvoir comprendre et découvrir ces messages. Mais c'est quoi le message phare? Le message phare, en fait, c'est le matérialisme poussé de certains parents, c'est-à-dire le désir poussé de certains parents à atteindre certains objectifs tout en utilisant leur enfant. Tu calmes, ma chérie. Ça va aller. Je suis où? Tu es chez Maté. Tu es chez toi ici. Que faites-vous là, maman? Matin, s'il te plaît, laisse-nous. La pré-production déjà, ça m'a pris 7 mois. Et la production, nous sommes déjà au deuxième mois. Bon, Dieu voulant, on pourra finir d'ici janvier. J'incarne le personnage de Divine. Un personnage assez complexe parce que comportant beaucoup d'émotions. Tantôt il faut rire, tantôt il faut pleurer, tantôt il faut être en colère, mais voilà, je m'y plais. Il ne t'intéresse pas, c'est normal. Regarde comment il est gentil avec toi. Regarde tout ce qu'il veut te donner. Tu penses que tu ne mérites pas ça? Tu le mérites bien. Réfléchis à ce que je te dis. Oh. Pourquoi tu veux cracher sur ce que Dieu te donne? Attends, tu pries tous les jours, non? Alors, pourquoi quand Dieu te donne ce que tu mérites, tu fuis? Tu penses que tu ne mérites pas ça? Tu le mérites bien. Jeunet, sors. Le casting se fait comme d'habitude, c'est-à-dire que voilà, on essaye de prendre des acteurs qui pourront mieux épouser des personnages.
voilà, des acteurs qui s'expriment mieux sur le plateau de tournage et qui travaillent sans toutefois donner trop de problèmes à la réalisation. Vous m'avez posé deux questions et je commencerai par la première, à savoir la destination de la série. Je ne peux réellement pas vous dire où est-ce que la série ira, mais tout ce que je sais, c'est que la série ira chez le bon diffuseur, parce que chez des bons diffuseurs, parce que je sais que c'est du bon. Quant au doublage, la série sera sans doute doublée. Voilà, et je ne compte pas seulement doubler la série en anglais, je compte aussi doubler la série en plusieurs langues, parce que quand on parle du monde du cinéma, on voit d'abord trois langues, française, espagnol et anglais. Très cher public, je vous invite à vous abonner sur la page Facebook Divine Série afin d'être au courant de toute l'actualité de la série, actualité tournage, actualité diffusion et autres. Et voilà, je vous invite aussi à regarder On 7 qui nous a fait honneur en nous permettant de parler un peu, de décortiquer la série en question. Merci beaucoup. Jeunet, Yoba, Divine Série peut effrayer Martin et changer d'avis. Je propose qu'on la laisse ici. Elle va se calmer. Venez pas.